Oui, bonjour, Madame Valberg. Mademoiselle. Ah, excusez-moi. Vous voulez que je monte. Très bien. Tu l'aimes bien? Non, c'était au sujet de Valberg. Elle est pas facile, facile, hein. Vos cigarettes, ce sont des lights. Vous en voulez une? C'est qu'elle m'a déjà renvoyé 3 chauffeurs, hein. Ah bon? Vous allez m'aider à changer les draps. Mademoiselle Valberg, je suis chauffeur. Je suis pas là pour changer vos draps. On va en Alsace. Ça vous ennuierait de m'expliquer ce qu'on vient de faire? Je suis née. Vous savez ce que c'est? Née. Oui, je sais ce que c'est. Vous m'aidez pas à monter mes valises? Fumez pas. Portez mes affaires. Non, mais juste dire merci. Et bonne soirée. Pourquoi vous avez raconté à Arsène que vous vouliez que ce soit absolument moi qui vous conduise? Et vous, pourquoi vous êtes revenu? Parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai une petite fille de 10 ans. Et que si je veux la garde partagée, bah, j'ai besoin de travail. Ça sent quoi? Ah ben ça pue. La colle à papier peint, vous savez. Benzaldéhyde. Benzaldéhyde. La serveuse, elle porte J'adore. Mais vous connaissez la recette de tous les parfums comme ça? C'est moi qui l'ai créée. C'était sa période de gloire. À l'époque, on lui déroulait des ponts d'or pour qu'elle signe un parfum. Ça vous fait penser à quoi, ça? Je sais pas. Faites-vous confiance un peu. Je vais refaire du parfum. Vous m'aideriez? Mais pourquoi vous ne demandez pas à quelqu'un dont c'est le métier? Parce que vous êtes doué, Guillaume. La serveuse? Pas un seul instant, vous avez levé la tête pour la regarder. Les gens n'ont pas qu'une odeur. Je suis sûr que vous n'êtes même pas capable de dire deux mots, juste deux mots. Merci. Je vous en prie.